beaucoup de stress, mais j'essaye d'évacuer un maximum. Donc j'ai ma playlist que j'écoute en boucle avant chaque début de course. Et c'est toujours la même, toujours les mêmes musiques. Et je me dis que ça serait vraiment top si tout pouvait se passer dans le meilleur des mondes. Un bon départ, des beaux dépassements, on prend du plaisir. Je pense à ma fille par exemple, c'est important. Quand le départ est lancé, bon, c'est sûr que t'es dans un mode où voilà, le régime moteur, etc. Ça fait partie de l'état d'esprit, ça fait partie de la course. Et, t'es ailleurs, t'es dans ton monde. Je suis un fan absolu de Senna. Je me souviens qu'il disait, c'était le Grand Prix de Monaco 88, il disait que le circuit devenait un tunnel et il s'enfonçait de plus en plus dedans et il pilotait même plus de manière consciente. Des fois, j'ai vraiment l'impression, pendant un demi-tour, je conduis et à un moment, je me dis, je me réveille plus ou moins et je me dis, ouais, t'es en train de conduire. Tu perds pied, on va dire, t'es plus toi-même, t'es hyper concentré à 2000%. J'ai besoin d'être mis un petit peu en défaut et de me sortir d'une situation. J'ai besoin de me prouver que je suis toujours dans le coup, ça c'est important. On réfléchit pas, on profite, derrière ça va vite, quoi. C'est perfo, c'est ce qu'on recherche. Je pense qu'on attend tout ça en tant que pilote, on attend tout ça, avoir ce petit moment de frayeur sensationnel là, qui nous transcende, c'est quand même assez sympa.